Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un accessoire. Donc il s'agit d'une poignée ergonomique de marque FabDefense, modèle PTK. Alors au niveau du packaging, donc on peut voir que la poignée est emballée donc sous blister avec au dos quelques indications essentiellement commerciaux en donnant certains avantages. On peut lire que c'est une poignée qui est ergonomique, qu'elle maintient la position naturelle du corps, qu'elle est faite en une seule pièce, en polymère durable, qu'elle est disponible en noir, en olive drab et en tan. Et qu'elle est compatible avec tous les rails Picatinny standard aux normes 1913-1000 STD. Au niveau des spécifications, donc on peut lire aussi qu'elle pèse 304 grammes, qu'elle fait 43 mm de large, une hauteur de 130 mm et une longueur de 180 mm. Alors, au niveau du contenu, alors, le truc qui est bien avec ce packaging, c'est qu'on peut, l'ouvrir plusieurs fois, donc c'est pratique. Donc la poignée est livrée avec un emballage réutilisable. Donc la poignée bien sûr et une clé Allen qui va vous servir pour le montage. Alors pour le montage, vous verrez, c'est tout simple. Donc vous avez une vis ici qu'il vous faudra dévisser et retirer. Une fois qu'elle est retirée, vous la positionnez sur le rail de votre choix, enfin en général celui du bas, hein, parce que bon, sur celui du haut, ça sert à rien. Une fois qu'elle est positionnée, donc il faut faire coïncider le trou ici avec un des espacements de votre rail. Et une fois que c'est fait, vous replacez la vis, ce qui va bloquer en fait la poignée sur le rail. Et vous n'avez plus qu'à revisser. Donc on voit que de l'autre côté, vous avez un écrou qui est scellé dans la poignée, donc logiquement pas de risque de perte. Alors on peut voir également que dans la poignée, vous avez une petite trappe qu'il vous suffit d'ouvrir à l'aide de ce loquet. À l'intérieur, vous pouvez y mettre soit la clé Allen, donc fournie avec, elle va dedans sans problème. Ou une pile CR123A. Alors vous voyez, malheureusement, elle va pas, ça va pas jusqu'au fond, donc on peut pas en mettre plus. Par contre, on peut fermer sans problème la trappe. Alors, vous pouvez également mettre une pile de type LR6, donc AA, sans problème. Sinon, vous pouvez y mettre également deux piles type LR03, triple A. Alors l'avantage de cette poignée, c'est qu'on peut la prendre soit comme ça, alors effectivement c'est beaucoup plus naturel, soit éventuellement comme ceci, un peu comme une poignée pistolet. Alors cette poignée, là, je l'ai eue pour environ 27-28 euros en promotion, parce que normalement au prix, au tarif normal, ben, ça coûte un orteil, hein. C'est dans les 40 euros. Si ce genre de poignée vous intéresse, il y a un modèle chez Boltairsoft qui a un design à peu près similaire, encore que celui de chez Bolt ici c'est beaucoup plus arrondi. Et à la limite, pour la prise en main comme ceci, c'est même plus confortable que celle-ci. Donc voilà, si ce genre de poignée vous intéresse et que vous n'avez pas envie d'y laisser un orteil, ben allez voir chez Boltairsoft ou tout de moins chez votre shop revendeur, vous devriez pouvoir trouver ça. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. N'oubliez pas non plus ma page Facebook Balbuzard90. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!